Relais kiwi pas mûr. Les kiwi pas mûr, tout mûr. Yo le melon. Oula, ça campe là, c'est au taquet là. Le melon. Le melon. Ah ouais, c'est comme ça. D'accord, ok. Ça va mal se passer. Faut que je chope la conf. Je vais choper. Non, pas ici. Oh là, mais leur pub Amazon là. But a Just Cause 4 was announced. Likely we'll see a little bit more from that. Life is Strange 2. Do you think we'll... Well, they teased it when they did the Captain Spirit. Yeah, they said that's a very purposeful lead-in to... Right. But do you think they're going to tease or... I think so, because this game is coming out really soon. It's coming out in 2 weeks. It's free. So I think that they are going to start teasing Life is Strange 2. Je vais couper ça. To get really excited into it. That's what I think Captain Spirit wants. On va se mettre bien. That's a good point. I think you're probably right. And then, je vais sans doute devoir monter un peu le son, je pense, vous me direz, comme d'hab. Regarde ça. Dragon Quest Builders 2. If it comes, I'm be super stoked. I'm be excited. It was an awesome game. You could play it on your Switch, your Vita, your PS4 now. You totally should. It's amazing. J'ai rien compris. You should drop a sequel. I do love Dragon Quest. Welcome to E3. They build, so kind of any expansion there is worth a look at, I think. Definitely. With 11 coming out as well, might as well add the Builders game to it. Is there mais il livre, j'ai compris, mais il stay, moi. Ok, d'accord. Absolutely shock and surprise. Ouais, ils exagèrent un petit peu, c'était pas une très bonne conf, mais enfin bon, il est pire quand même. Ils ont sorti les trois bimbos là. Et en marque, non, il y a 2 minutes, je vais le laisser. Sort of a, you know, of previous games on new systems, which is always fun. Mais critique pas la conf, le mec qui a fait ça. Bah si, un peu, non. Il dit qu'il y en a que un dans la salle qui va pouvoir partir. Non, je l'ai pas pris comme ça, Baron. Je pense pas. Hein. Non, il dit il y en a que un. Bonjour à la conférence de Bethesda. Vous attendiez un Battle Royale, mais il y en a qu'un qui peut partir. Non, je sais pas. Bon, ça. Je ne sais pas. Moi j'ai pris plus genre, il y en a qu'un qui peut quitter la conf Bethesda, on fait un battle royale pour savoir qui peut quitter la salle de la conf Bethesda. J'avais plus pris comme ça. Moi. Après je sais pas, je peux me tromper. Hein. Vous me direz pour où sont, mais je pense que je dois pouvoir le monter direct à mon avis. En général vous me disiez, il faut mettre genre ça. AKA Beyond Good and Evil 2 conference. 3 PM, the PC gaming show, excited to see. La 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 la. Ouais, on va voir du Just Cause, putain, c'est génial. And then probably one of the more interesting sort of discussion pieces is after the J'ai vu que t'avais laissé des commentaires il y a 40 minutes ou je sais pas quoi sur la VOD, Baron. Mais j'ai rien cané. Tu t'es planté quoi, t'as cru que c'était du live? They did. Yeah. Their press conference last year was astronomical. I mean, it was like a multimedia performing art experience. Creator of content, for me, that was like a very inspiring, groundbreaking press conference. So I hope that they either kind of do more of that, or I feel like every year they kind of push the envelope a little bit. And I feel like I would say a lot of the press conferences imitate Sony. Well, we'll find out. That's at 6 o'clock tonight. Don't forget to use that schedule by Layer 1 extension. And it is time for Square Enix at E3 on Twitch. Parti. The journeys we will take. The demons we will face.
The heroes we will become. Our next chapter. Bon, perso, j'attends pas grand chose. Hein. Je pense pas qu'ils vont montrer FF7 Remake. The Kingdom Hearts 3, du Just Cause, on s'en bat les couilles. Minasan, konnichiwa. Square Enix no Matsuda desu. Square Enix E3 Showcase 2018. Ah, c'est même pas un live qu'ils font. Onjitsuwa, Square Enix ga 2018 nendo ni hatsubai o yotei shiteru taitoru o chushin ni goshoukai itashimasu. Gouga lineup ni kuwae, mochiron saishin joufou mo otodoke shimasu node, douzo saigo made goshichou kudasai. Saa, iyoiyo hajimarimasu. Issho ni tanoshimi mashou. There is a moment in everyone's life when we must make a choice. Let the world shape our destiny. Fight to become who we're meant to be. Ouais. Un petit peu de gameplay, enfin bon, on sait à quoi s'attendre. Ils ont pas le temps, les mecs. Ouais, ils veulent surtout pas venir sur scène pour parler un japonais et un anglais dégueulasse. Si, j'espère voir le voir l'Avengers. My name is Daniel Chaillibson, game director at Eidos Montreal. You have just seen the beginning of Shadow the Tomb Raider, which will deliver on Lara Croft's defining moment as she races to stop a Maya apocalypse. Lara will have to confront a brutal jungle environment in order to survive. Even though that she's more confident and more capable, she will still be outgunned and outnumbered. Bah ouais, non, bah moi je le ferai, j'aime bien le reboot de Tomb Raider, donc y'a pas de soucis, je le ferai quoi, après bon. Je sais pas spécialement besoin d'en avoir plus, hein, on sait à quoi s'attendre. Hein. Let's take a look what this means for gameplay. Any of you guys come through here? Chow team, Croft is on a vector towards your position. I say again, Croft is coming to you. Jesus Christ. Shh. We'll get her, sir. Show me her corpse, and your entire team is next to me from Deacon training. Look out. That's terrible. I'll kill you all! Camp's having trouble receiving you. As soon as this is up, we'll use it to boost your signal. What now? I got it. Okay. How the hell do I patch these together? Ses cheveux sont blonds. Sont blonds avec l'éclairage. Ah, ils abusent, c'est les mêmes générateurs que dans le précédent. Coucou Nat. A bit. I gotta check in with Maltese. Sure. Gives me something to do.
Hey, you know Maltese's access code? 010353 Mike. Hey, heading over there now. Distraction. Need some backup here. This place is empty. Mm-hmm. Body here. Looks recent. Guards up. They can't be far. Gotta find out what's going on. You, take point. Lead the way. Maybe there. Enemy spotted! Winter Rider, tu parles. Tu fais ça in game, tu te foires, t'as aggro tout le monde, du coup ça part en couille, tu sors ton gun, tu butes tout le monde. Et après ça. You like what you've just seen. So much depth to the combat that we cannot wait to show you more. Est-ce que c'était vraiment le truc qu'il fallait montrer en termes de gameplay? On sait à quoi s'attendre, ils auraient pu montrer une scène un peu plus On sait que ça marche comme ça. Là, ils donnent de l'eau au moulin de ceux qui vont être en mode. C'est la même chose. Tomb Raider game, featuring a hidden city. And of course, we have tombs. We have more of them, and they're deadlier than ever before. But for now, we're gonna leave you with a video. Ah, mais moi, ça le fera bien, comme d'hab. J'attends pas à ce qu'il refasse la formule. Par contre, j'ai l'impression que j'ai des petits drops là. Tu vas te calmer tout de suite la connexion. Sinon, je te biffle. Ouais. Yopita, recrotte. 14 septembre, ça on le savait. Oh, mais lui il le fera bien. Bon, voilà. Après, on n'a pas besoin de l'E3 pour en voir plus. Ah. La grande story 2. Ah. Les valises. Ouais, ça c'est le trailer du dernier patch quoi. Qui est déjà sorti. Non, c'est pas un DLC, c'est le MMO. C'est le dernier patch qui est sorti, ça, c'est le Raid 24. En Ivalis. Vu que le thème de cette partie là c'est FF12. On ira voir tout ça. Un de ces quatre. Ah, ça se fera, t'inquiète pas. Oh, auron. Auron, petit patapon, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, pas du tout. Hein?
Nani? Okay. Ils vont faire un an, ça va être un event à la con, ça. Ça va être un event à la con, fan service, machin. Enfin, c'est bien. FF14 le fait très très bien, ça, de toute façon. Ah, Dontnod, le truc de Dontnod de hier, là. Yes. Raoul Barbet, we are the two creative directors of Life is Strange at Dontnod Entertainment. On sent bien le Frenchie là. Bon, je suis pas mieux, hein, mais. Story in the Life is Strange universe. And this full experience will be available to download for free on the 26th of June. To us, Life is Strange is not a single town or set of characters. Captain Spirit is our way for introducing the players to the many stories we want to tell in this expanded universe. Captain Spirit is not Life is Strange 2, but it will be your first steps into this world. The game is hiding many secrets and even some links to the brand new story and characters of Season 2. So make sure you take all your time to explore. We cannot wait for you to experience Chris's story. We hope you'll enjoy it. Have a great E3, and from all the Life is Strange team at Dontnod, thank you. Thank you. Bye bye. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Et c'est free! Ah ouais. Sans doute le premier épisode de ce qui est free ou une carte comme ça. Oh, c'est du DQ11 ça. The power of light. Mois d'août, fin août, je crois. In our darkest hour. Je le ferai sans doute, peut-être pas Day One, mais je le ferai. Sur PS4 par contre. It seems that grief and tragedy have followed you since birth. Cruel fate's dark plan has stalked you to the corners of the earth. You've brushed with death a thousand times. Yet still you have your life. It is your fate to save this world. For this, you must survive. Bright luminary. Let the light shine on the world again. Fate hangs by a thread. We must fight fire with cold steel. All that matters is power. And the only power. T'es sur quelque chose, Nat. Réfléchissez. Oh, il y a un décalage dégueulasse. Until your time is through.
Ouais, bon, lui on sait déjà ce qu'il vaut, il est sorti au Japon l'année dernière donc. Et je le prendrai, c'est sûr. On a plus beaucoup de JRPG tour par tour correct. Blue Dragon. Ça va être compliqué. Final Fantasy Brave Exvius qui collabo avec DQ11. Ok. C'est quoi ça? Babylon's Fall, c'est sorti du chapeau ça. J'en ai jamais entendu parler. ça a l'air assez mature. Platinum Games. Oh, oh, oh. PC. Ok. Babylon. Ok. On note. Ça peut être intéressant ça. Babylon's Fall. Nier Automata. A masterpiece discovers a new home. On va faire le gameplay, ouais, bien sûr. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir des trailers qui donnent envie. C'est préenregistré, quoi, toi. Il n'y a pas de live, il n'y a pas de show sur la scène. Des fois, ils viennent derrière un pupitre, mais c'était fail, donc bon, vaut mieux ça. Vaut mieux ça parce qu'ils savent pas faire le show, donc. Ah! Oui, c'est mon bien! S'il te plaît, ne sois pas un fail. Alors lui par contre sera peut-être Day One, hein. Vous me verrez peut-être au mois de juillet dessus. Apothecary, thief, hunter. Step into their shoes and explore the realm of Orstera as you see fit. Whose path will you tread? Octopath Traveler. Non mais t'as le salon derrière pour sa crotte. Les jeux sont, certains jeux sont, vont être présents, les devs sont présents sur le salon. Le salon il ouvre mardi, là on essaie les confs pré-E3 en fait. Regarde. Mais ouais. Tu peux avoir plus de détails à mener en combinant show et info. Ok, bon ça c'est toujours super beau mais j'aime pas.
Welcome to Just Cause 4 and the return of Rico Rodriguez, a rogue agent on a mission that'll challenge everything and everyone he knows. Rico has arrived in the fictional South American country of Solis, the largest and most breathtaking world we've ever created. Every journey into Solis will uncover history, secrets, and danger. Never before has a Just Cause game offered greater variety, rich in all forms of life. At first glance, Solis is a beautiful location. But scratch the surface and you will uncover oppression, fear, and violence, all enforced by Gabriella, the leader of the private militia organization, the Black Hand. Just Cause 4 takes destruction and physics simulation to a whole new level with the introduction of extreme weather. Experience towering tornadoes that can tear trees from the ground and level bridges to sticks. Awesome forked lightning, unpredictable and deadly sandstorms, and roaring blizzards. Witness the spectacular destruction as they offer both a challenge to Rika, as well as creating fun opportunities for creative sandbox gameplay. Our vehicles have been totally overhauled. New additions that offer extra gameplay opportunities. Bulldozers, car transporters, cranes, and even wrecking balls are all fun in our world. We have new handling on bikes and cars, as well as exotic vehicles like jet skis and Batman, microjets. Non mais ils sont toujours plutôt bien réalisés, hein, les Just Cause, mais alors studio fait bien des bons open world à ce niveau-là, mais en termes de réal, mais le problème c'est ce que tu dois y faire dedans, tu te fais chier, quoi. C'est plus bac à sable qu'autre chose, quoi. Paradis. Alors définition de paradisiaque, c'est une île où tu n'y es pas. Ah, tu tends le bâton, je te le saisis. Donc vu que tu vas pas y jouer par défaut, le jeu est paradisiaque. Voilà. Enemies now present a far more intelligent threat to Rico. Each archetype comes with unique abilities, with AI designed to keep the player on their toes. Solis is a deeply advanced systemic world. Everything you've seen, si je suis dessus, ça devient une merveille. To unparalleled draw distance. C'est moi le melon. Best-in-class open world Apex engine. Y'a promis. Just Cause 4. Non, merci. Nani? Va mourir, Cyril, j'ai vu ce que tu as essayé de faire. C'est quoi ça? Non mais ça c'est un film, ça. Ah d'accord. On s'est plus chier à faire des CGI, maintenant on fait des movies. Okay. C'est le nouveau Quantic Dream. Deus Ex? Non, je pense pas. Deus Ex, il est enterré là, vu le flanc qu'a fait le deuxième. Est-ce que ce serait pas l'Avenger? D'accord. Pas mal, la transition a été bien amenée, mais par contre. The Quiet Man. Cross platform aussi. Enfin, cross platform. Pas chez Microsoft, toi, comme d'hab. Ah oh non, pas ça. Bon, remarque, c'est toujours des trailers jolis, quoi. Mais on sait qu'on y jouera pas.
walking, talking snowman. You really are alive. Hello. Olaf, are these your friends? Hmm? Nope, never met him. Don't know anyone blue, green, or who's oddly spiky. Look out! Whoa. That's amazing. You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. Yeah! Whoa! Give me strength! Non, pas tout à fait, Gia, pas tout à fait. Beaucoup. Il y a quand même quelques plans inédits. Pour les fans, ça leur suffira. Et si on me filait quelques plans inédits de Cyberpunk, je dis oui aussi. Bon, pas dans la SE par contre, sinon là c'est pas bon signe pour le niveau d'écriture. Ça, on n'a pas vu, pardon. Ça, c'est le jeu typique qui te donne grave envie de par sa réalisation, ses mix d'univers, machin et tout ça. Mais tu sais, mais en fait, le problème c'est que après, quand t'as la manette en main, c'est un drame. Roxas does exist. His heart's inside my heart. In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas's return, of course. And Roxas? Yes. Yeah, la voix de Barry. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. C'est le moment de faire de l'ASMR. J'ai un gros sexe. Je vais te le coller derrière l'oreille. You're too late. Ça c'est fait. La fin. Wouhou. Bon alors Babylon, comment? Babylon Fall. Le seul truc sorti un petit peu du chapeau. Square Enix E3 Showcase 2018. Et il n'y a pas eu de FF15. Et ça, rien que déjà ça, ça en fait une excellente conférence. Une excellente vidéo, hein, parce qu'au final, conférence mes couilles. Mais une excellente vidéo. Là, j'ai besoin de rire, donc pour rire, la meilleure méthode, enfin, c'est une conférence comme ça, c'est d'aller ici. On m'a toujours pris ce que j'avais pendant toute ma vie. Peut-être que j'ai ce don pour pouvoir... T'as pas eu de FF7, surtout ça c'est pas surprenant, je t'avais dit, hein, ça, si FF7 doit se montrer cette saison d'E3, ce sera dans la conf Sony, il sera pas ailleurs. Que ce qu'on pensait. Alors j'ai gagné un pari, FF7 remake, il est pas ouais. Là. Ah ouais, que dalle. Non, mais c'est Sony, mais... Il avait été annoncé chez Sony, peut-être. En même temps, enfin, s'il est même pas chez Square Enix, il va être chez Sony, ça me paraît bizarre, quoi, mais... Parce que, voilà, j'allais dire, parce que FF7 remake a été annoncé chez Sony, et pas dans la conf SE, il y a 2 ans. C'est possible qu'ils aient encore un truc à annoncer dans la conf pour une grosse exclu, quoi. Tu sais, Platinum Games, pour eux, ça reste des jeux de japonais. Mais le petit Platinum Games, là, ouais, à voir. Donc, il y a Babylon's Fall chez Platinum Games. Attends, tu veux pas qu'on les prenne dans l'ordre? Le Tomb Raider, de toute façon, ouais, moi j'y passerai, c'est sûr. Le plus intéressant. Bah vas-y. Le reste étant du vu et du revu,
Oui, ouais, la ouais. moitié des trucs ont quand même déjà été annoncés à la PS5. Bah, ouais, vraiment à se demander pourquoi ils font une, même si c'est préenregistré, ça leur coûte pas cher. Pourquoi ils font ça en fait. Ah, c'est pour occuper l'espace. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais je sais juste que s'ils avaient pris 5 minutes pour annoncer juste deux IP, ça aurait eu l'air un peu chiche. Ils disent qu'il y a peut-être des fans de Square Enix et des fans de FF, etc., qui eux n'étaient pas à la conf Microsoft. C'est que pas FF15, ouais, tu peux conduire une voiture tout terrain et pêcher. Tu peux pêcher en VR. Et ça, ça fait toute la différence. Ça vaut ces 300 boulasses. Qui sont très intrigantes. Donc il y a Babylon's Fall chez Platinum Games. Je sais pas si Hubert a déjà le trailer, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Il y a un petit côté Warhammer, hein, plutôt. Ah, j'aurais dit Dark Souls, ah, moi, en fait. Souls. Warhammer, ouais, non. Ça m'a fait penser à Dark Souls. Ouais, beaucoup, avec une espèce d'armure fourrure de Dark Souls 2. Oh, mais ça, les mecs sont énormes, ils sont pas du tout gaulés comme dans Dark Souls. Les mecs de Dark Souls sont pas non plus maigrelets. Hein. Ouais, mais là, c'est du Space Marine, les mecs. Ils ont, ouais, tu crois. Ah, mais ils font des 3 mètres de largeur d'épaule, ils ont des épées de la taille de ton immeuble. Ah. Non, c'est beaucoup plus big que Dark Souls. Des architectures, on avait plein de tours, des machins, ça fait quand même très. Le problème, c'est la chute de Babylone par Platinum Games sur PS4 PC, prévu pour 2019, et tout ce qu'on a vu en gros qui pourrait nous donner un maigre indice de gameplay, c'est ce personnage principal qui apparemment fait sortir des espèces de fils de son corps pour aller récupérer une arme et attaquer un autre mec avec. Donc un truc peut-être qui irait chercher aussi vers Code Vein, qui a l'air de faire ça. C'est vrai. Mais voilà, donc on sait maintenant quel est le fameux projet secret de Platinum Games. Il y a Yotki qui me dit on vient d'avoir 30 minutes de Square Enix ou c'est moi. Non, on a vraiment eu 30 minutes de Square Enix. Dont un quart d'heure de retard. Hein, oui, il faut reconnaître l'efficacité, mais ceci dit, on avait là, quand même la majorité des trucs dont on connaissait déjà, on les avait déjà vus. C'est une conférence où tout s'est joué par. En fait, il faut plutôt regarder les absents, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. Je parlais de Final 16, bien sûr. Alors attends, plutôt. D'abord terminé par, avec les. Ah oui, tu veux parler de ce qui avait déjà. Ouais. Et donc il y avait The Quiet Man. Ouais. Qui a été montré avec un bout de. Oui, il y avait The Quiet Man quand même, aussi un nouvel IP apparemment. Mais en revanche, du combat à la God of War, donc du brawler vu de vu à l'épaule. Ouais. J'ai très peur sur les animes. Ouais, on va voir. C'était Yakuza dans ses moins bonnes années quand même. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça a l'air. Après, ça a l'air. Yakuza le GOTY. J'espère très honnêtement qu'ils vont pas faire ce fameux mélange de FMV. Vrai jeu, tu crois que ce serait carrément je sais pas, non, j'espère pas. Non, ah, là, c'est, ouais, c'est déjà, ça, c'est une mauvaise idée d'avoir fait ça. C'est les pires moments de Need for Speed. Ouais, ça me ferait très peur. J'ose espérer qu'ils vont pas dans cette direction. Moi, j'espère qu'ils vont le faire parce que je trouve ça rigolo. Oui, il y a le côté rigolo. Un truc malsain. Tu peux jouer à Super Seducer. Complètement, j'adore les nanars. Tu peux jouer à Super Seducer, qui est un jeu pour apprendre à draguer tout en FMV. Absolument infâme. Je l'ai platiné. Et donc, The Quiet Man, apparemment, on jouerait ce personnage qui est un bastonneur sourd. Sourd, ouais. De toute évidence. Effectivement, sur le sound design, peut-être qu'il y aura un truc. Il peut y avoir un truc à jouer sur le sound design, ouais. Et après, effectivement. Donc, le no sound design. Qui suit, et donc, après, effectivement, c'était que des choses déjà vues, mais on peut peut-être faire ça dans l'ordre. Parapaz The Bouncer. C'est très classe, ça. Ça serait vachement bien. On a vu du Shadow of the Tomb Raider, moi je suis bien hypé, on a vu du gameplay. Ouais, du gameplay, une phase qu'on a déjà vu 15 fois dans les Tomb Raider. En fait, le problème, c'est que. À ma gauche, Greg a dit deux mots qui ont résonné dans mon oreille et dans mon cœur. Jerrican. Snake Eater. Oui, et en fait. Il y a rien de Snake Eater là-dedans. C'est de l'infiltration, c'est de survie. Ouais, mais c'est survie. Tu sais très bien que ça touchera jamais le génie de Snake Eater. Non, bien sûr. Toutes les notions de survival existent déjà depuis le premier reboot. Ouais, mais après, voilà. Mais les bagnoles, elles roulent toujours sur les mêmes routes et on continue à acheter des jeunes bagnoles. Non, mais les gars, on arrête les jeux vidéo dans ce cas-là. Ah, mais c'est un jeu où il faut tuer des mecs. Ah, bah oui, bah super, arrêtons-nous. C'est merde. Sauf que là, on peut tuer des mecs en se barbouillant debout. Voilà, j'ai du nouveau. Le Boo Engine, là, il est magnifique. Qui, apparemment, selon le trailer qu'on avait vu hier à la conf Microsoft, devrait aussi servir à se cacher des bestioles sauvages, puisqu'on la voyait à un moment acculé contre un arbre par une sorte de. Ah, plus tard, les jambes d'arbre. Avec la boue, justement, on va voir ce que ça donne. Moi je suis curieux. Je suis plutôt enthousiaste et curieux. Sans m'appuyer sur ce que j'ai vu, mais sur ce que j'ai entendu du jeu, apparemment le jeu assume une part de noirceur encore plus forte que les précédents. C'est-à-dire que mon Red Lakshev qui a vu le jeu a presque été choqué. La violence qui est complètement assumée. Là, on l'a pas vu, c'est assez soft pour le coup. C'est du tout public. En termes visuels. Ah, quand tu dis noirceur, c'est en termes de violence. Ouais, mais tout le reboot, le premier, c'était déjà terrible quand elle se prenait des branches dans la gueule. Non, mais ça, c'était le torture porn. Bon, farm des wax. Ouais, je vais aller sur Poe aussi. Le premier était déjà. Je check juste vite fait leur débrief. C'était complaisante surtout. C'était ça. C'était plus que gore, c'était complaisant. Allez, Poe jusqu'à. Je trouvais que ça apportait un truc. Jusqu'à Ubisoft, qui sera bien mieux. La découverte de l'héroïne. Alors que là,
là, c'est vraiment, elle assume le côté chasseresse et c'est très très présent dans le jeu. Bah après, t'as pas vu le scénar, mais ça se trouve, les mecs, c'est les rois des fils de pute et t'es content de les planter à chaque fois. Fin... Et on a vu aussi du coup pas mal de mécaniques qui rappellent beaucoup Assassin's Creed. Mmh. Il y avait les flèches qui permettent de rendre les ennemis fous et qui se tapent entre eux. Il y a eu le craft en temps réel, ça c'est plutôt l'école. Ça existe déjà. Hein, oui, c'est l'école Days Gone, Last of Us, etc. Ouais. Et effectivement, après, se barbouiller de boum, il y a eu plein de petits trucs à côté, le marquage des ennemis, le double. Ça y était déjà, je crois. Le double kill, enfin beaucoup de choses qui font très assez et très. Ouais, il y avait rien de neuf. Non, ça, on s'en fout, c'est pas ce qu'on lui demande, mais. Oui, peut-être. Tu vois, genre, tu grimpes aux arbres, c'est pas genre t'appuies et elle grimpe. Vu les mouvements qu'elle faisait, enfin, à un moment, ça c'est très jeu vidéo d'ailleurs. Tu la vois quand elle est sur la branche, à un moment elle flotte dans le vide parce que le mec est allé un peu trop à droite sur la branche. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que tu te déplaces automatiquement sur les arbres. Si c'est une simu de Predator où on pend ses adversaires aux arbres pour moi j'achète. Content, Et puis ça a l'air quand même très joli. Oui, alors là, on va pas cracher dessus même parce que la jungle a l'air assez impressionnante. Si Konami annonce un MGS3 avec ce moteur, je dis pas non. Le célèbre jeu de pachinko? Arrête, t'as pas le droit de. C'est même pas un patch. Tac, voilà, putain, ça c'est bon ça. Mais effectivement, ça fait bien longtemps que Lara n'est plus humaine. Il y a un truc mélancolique dans ces écrans, tentaire. Puisqu'on a encore les écrans devant nous qui montrent Square Enix Presents. Thank you for watching. Et avec le truc du logo YouTube qui est load, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui va arriver derrière. One more thing. C'est vrai que les mecs attendent littéralement 20 minutes de rien pour revenir. Et en fait, Nier Automata 2, ciao. Il en serait capable. Je suis pas sûr. Oh, Yoko Taro est assez fou. un Yoko Taro direct. Moi, c'est ça que je veux depuis le début. Et je veux juste le voir commenter toutes les autres confs. Je suis désolé, moi c'est vraiment des trucs que j'ai vus dans les deux derniers. Ouais, moi j'en ai trop marre en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a. Mais entre chaque Tomb Raider, vous jouez à rien d'autre en fait, c'est ça le truc. Non, mais justement, c'est pas mettre 60€ dans un truc que t'as déjà vu deux fois quoi. Alors 60€, on sait que ça veut plus rien dire dans le sens où un jeu comme ça il est à 30€ au bout de deux mois. Non, je parlerais plus de dizaines d'heures de vie perdue. Oui, voilà, plus que effectivement l'argument du 60-70€. C'est peut-être pas des jeux que les gens achètent day one maintenant à part. Et avec le Game Pass de Microsoft. Non, mais t'arrêtes de faire de la pub à Microsoft. Non, parlons pas de prix, le truc avec c'est. Avec le Xbox machin Gold, comment ça s'appelle chez les Sony là? C'est le PS Plus. Ouais, le PS Plus. Non mais parlons pas de prix, le truc c'est l'usure et Mary a la raison. C'est que. C'est le même jeu quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est le même jeu et même à la rigueur ça a l'air moins bien parce que. Que le premier ou le deuxième? Que le deuxième parce que on n'a pas l'aspect linguistique visiblement. Toi t'as bloqué là-dessus. J'imagine qu'elle parle espagnol de base. Et surtout dans le 1, ce qui me paraissait vraiment dommage, c'est qu'on voyait des mécaniques de survie qui avaient l'air intéressantes comme le crafting et tout. Mm-hmm. Et en fait, moi tu m'aurais mis le jeu mais sans aucun méchant à tuer, juste de survie dans. Moi ça me plaisait tout autant. Il faut jouer à Marino Atelier. Donc on tombe dans des. Exactement la même chose. Ce qui pourrait être une bonne surprise pour le coup, ce serait que l'environnement qu'on voit là ne soit pas l'environnement de tout le jeu. Tu vois, elle a un peu débordé de l'arbre, donc je pense pas que soit le jeu est buggé, soit c'est toi qui te déplaces en fait. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, déjà, avant, t'avais une liberté sur les arbres et tout ça. C'est le moment où Greg a été vendu au jeu. Ça a l'air efficace, tu vois. Ah non, mais ça le sera. C'est le blockbuster qui fait le job. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le précédent. Est-ce que t'as pas envie d'autre chose? Bah, t'as envie de quoi? Tu vas au ciné, il y a un Avenger, il y a un Marvel qui sort, t'es pas obligé d'aller le voir, mais parfois t'as envie de te manger un Marvel un petit peu sale, et c'est cool quoi, y a pas. Et surtout, le précédent, j'ai oublié le nom, c'est Rise of the Tomb Raider. Était beaucoup plus lumineux et presque léger parce que c'était plus axé sur l'héritage familial et tout ça. Alors que là, ils ont envie de retrouver la patte. Le premier reboot est vraiment brutal du premier reboot. Donc le deuxième, c'est un peu planté. Hein. Oui. D'accord. Parce que c'était une exclu trop longtemps. Mais il est sorti sur PS4 après avec des trucs en plus. Et ça a pas. Était retombé. Historiquement, c'est la PlayStation, la maison de Lara. Et pourtant, ils ont niqué leur jeu à force de faire des exclus. Quoi. Bien sûr. Qu'après Shadow of the Tomb Raider. Alors donc oui, on a une date aussi. Je sais pas si on l'avait déjà. Alors justement, 14 septembre. Je suis pas sûr. 14 septembre. Si. C'est le jeu de la rentrée. Ouais, c'est le jeu de la rentrée. Bah, tu disais voilà, le jeu c'est de la rentrée. C'est clairement celui-ci. Attention. Il y a lui et DQ11. Parce que Tomb Raider sort à 2 semaines de Dragon Quest. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Dragon Quest. Mais tu tapes pas du tout les mêmes gens. Ah bah non. Bah ouais, mais c'est le même éditeur. Ils sortent à 10 jours d'écart, effectivement. On reviendra sur Dragon Quest après, mais d'abord il y a eu FF14 Stormblood. Alors là, ça va être le grand passage Greg. Allez, vas-y. Ah oui, parle-nous du patch 4.3 de Stormblood.
Alors, je suis bien incapable de t'en parler parce que ça fait des mois et des mois que je n'ai pas touché à FF14, mais c'est la continuité du scénario de Stormblood qui est donc, comment dire, vu complètement écrit par Yoshida. Ouais. C'est le grand retour donc, de Yoshida chez Square Enix et donc toute cette extension est gérée par lui et ça rappelle un petit peu Ivalice. En gros, c'est quoi ? C'est la team Vagrant Story et FF. De toute façon, à la base, chez Quest, donc les mecs qui ont fait. Tu parles de Matsuno alors ? Yoshida, excusez-moi. Yoshida est au chara-design. Et Matsuno donc, est au scénario. Et de toute façon, ils étaient trois. Il y en a deux qui sont partis, c'est Matsuno et Yoshida. Mm-hmm. Le troisième, c'est Minagawa, qui était celui qui faisait en sorte que Matsuno rende les trucs à l'heure. Mm-hmm. Et c'est pour ça, quand Matsuno s'est barré avec Yoshida et que Minagawa est resté chez Square Enix, bah Minagawa, lui, c'est un très très bon planeur, en fait. Mm-hmm. Et lui, il s'est occupé des combats d'F14, pendant que, justement, Matsuno, lui, s'est barré faire ces espèces de Kickstarter de RPG bizarres qui sont finalement jamais sortis. Parce que Matsuno, c'est un artiste, et si t'as pas Minagawa derrière qui lui dit « Bon alors, tu le rends ton truc, il se passe rien, quoi. » Et en un binôme chef de projet. Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que si Stormblood se fait, c'est parce que, justement, Matsuno est à nouveau drivé par son pote Minagawa. Et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Monsieur le directeur. Oh là 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 là, il nous met bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la liste des pizzas. Ouais. Trop bien. Au retour, je vois du Windows. Mon cher Hubert, je vais prendre une Matsuno, moi. Les gens sur le live ne voient pas Windows, par contre, pour le coup. Qu'est-ce qu'ils disent ? Les gens sur le live ne voient pas ça. Ah, je croyais qu'ils voyaient ce retour-là. Non, ils voient toujours Thanks for watching. Tu n'es pas venu avec une cafetière. Du coup, tu attends qu'on coche. Ah, d'accord. Mais on est censé quoi ? Cocher, c'est ça ? D'accord. Oh. Alors, mon petit Yann, qu'est-ce que tu vas manger comme pizza ? Les gens vont... Un pipeau. Alors, on va essayer de meubler en attendant, parce qu'effectivement, non, j'envoie des alors, je termine, parce que j'ai pas fini. Oui, et donc, justement, ce Stormblood, qui a priori est une extension assez costaud, qui refond complètement le système de combat d'FF14, qui avait déjà été refondu deux fois, il faut le dire. Donc, c'est des mecs qui n'hésitent pas à se remettre en... Avec en plus force excuse, voilà. Des choses qui sont assez rares dans le jeu vidéo japonais, en plus. Et donc là, ils ont refondu le système de combat. Et a priori, avec l'arrivée du mage rouge et du samouraï, ça a pas mal remis les choses à plat. Et donc, voilà, moi je suis pas un grand joueur d'FF14 parce que j'ai pas le temps de m'y mettre. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un MMO qui est extrêmement confortable. Ouais. Tu peux te téléporter dans tous les sens, tout est super pratique, tout est indiqué. Enfin, c'est vraiment. Aujourd'hui, toi, tu peux rentrer dans FF14 et pas être perdu. Quoi. Ouais. C'est vraiment là. Sans le dire ça de manière insultante, mais un peu casu, quoi. En fait, c'est une bonne porte d'entrée, quoi. Bah, c'est ça qui est très fort dans FF14, c'est que tu peux jouer casu toi-même tout seul parce que tu gagnes des points d'expérience en coupant les arbres et tout, mais après t'as des donjons de maboule où il faut être plein, mais t'es pas pénalisé par ton style de jeu et c'est ça qui est agréable, quoi. C'est un vrai monde agréable à vivre. D'accord. Et alors donc avec un endroit avec une histoire vraiment très présente. Ouais, ce que tu disais, ce qui est la force de Final Fantasy par rapport aux autres MMORPG, c'est que le scénario est vraiment très présent. Ok. Donc pendant que tu sélectionnes ta pizza, on vient de le voir. Hubert nous a mis les images de la collaboration Monster Hunter et FF14. Alors, je me permets dans le chat, si vous pouviez arrêter de mélanger la pizza et le dessert, voilà. La hawaïenne, c'est une hérésie, il faut arrêter d'en parler. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui a commandé une hawaïenne ici. Non, il y a des gens qui. Mais les gens ont le droit de mettre ce qu'ils veulent sur leur pizza. C'était bien en marque de gonzesse, ça. Moi, j'allais parler de jeux vidéo. Rien à foutre là. Bon allez. Et FF14, non. Bon allez, Poé, hein, parce que. On va aller poser jusqu'à Ubi. Hop, je bascule le jeu là. On est en train de parler de jeux vidéo. L'autre, elle dit dans le chat, si vous pouviez arrêter de mélanger les desserts et les pizzas. Ok, super. Et sinon, les tampax et les serviettes, non ? Aïe. Dès qu'elle a un sujet qui ne l'intéresse pas, elle est imbuvable. Elle me gonfle, cette gonzesse. Musique. On va mettre quoi ?